Je vois quelqu'un dit face, j'entends fesse. Ah oui, d'accord, ok. Je me disais, mais pourquoi elle se marre? C'est pas drôle de fou. Ok, c'est parti. Oh, 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 vous venez ma blague, Nimeri, je vous rappelle qu'elle est en train de rigoler parce que face, ça ressemble à fesse. Et hop, c'est elle reported. Mais report ma modératrice plutôt. Je pense, on tient le saut, je pense, on tient le saut ou pas? Je pense, on tient le saut en vrai. Badko Hardcore, I'm right behind you, Andy! C'est là qu'il faut atterrir. Je suis pas sûr que là, par contre, on tienne, hein. Bon. On me dit dans l'oreillette que je me précipite un petit peu et qu'il faut prendre le temps de réfléchir. C'est bon, j'ai réfléchi. Ouais, le bruit des eaux. Ouais, je me rappelais plus de ça. Je me rappelais vraiment plus de ça, Turak. Et j'étais bien content de plus me rappeler de ça. Là, ça va être trop aussi. Il y a rien là? Non. De quelle couleur sont les poubelles et les murs ici, les enfants? C'est quelle couleur là qui revient assez fort? C'est quelle couleur? C'est du... Oh... Oh oh... Bien joué, Kite! Du vert, t'es nul, tu racles, t'es débile et stupide. Boum, t'es pas un ban. Hyper décevant de ton côté. Je suis mort. Et après t'es bleu, après t'étais bleu, c'est bien vu. Bon, je me suis un peu perdu au niveau du chemin. J'ai passé par-dessus la voiture, je pense que ce sera plus simple. Accès, passerelle, voie 3 et 4. D'accord, là-bas il y a des méchants, là-bas il y a des méchants, donc on va aller. C'est par où la voie 3, 4? Rejoins vite cette passerelle là. Avant qu'il te fasse la peau. Avant qu'il me fasse la peau, est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer, mon ref? L'accès est pas... L'accès de l'autre côté, l'accès de l'autre côté. L'accès c'est de gros trucs bleus là-bas, il ment. Voilà, ok, cette technique ça passe. D'accord. Par contre, ça passe pas par là. Ok, de l'autre côté. Parcours ! Arrêtez de me tirer dessus! Arrêtez de critiquer mes vidéos! Par là, par là. Pas par là, pas par là, pas par là. Suis la voie 4 jusqu'au prochain escalier. Il doit y avoir une ruelle par là. Tu pourras remonter sur les toits après. Ils viennent de quel côté les métros? D'accord. D'accord. On va courir de ce côté-là parce qu'au moins on voit le métro venir, hein. Question de logique, ça. Tu tiens à jamba. Tiens à jamba raccourcis. Attends, j'arrive pas à lire. Arrête! Tu tiens à jamba raccourcis. Ça existe, à jamba raccourcis? Un parcours du chemin, tenu à distance, je l'ai. Et je te hais de tout mon cœur. Mais je te kiffe. C'était Kyoto. Et chanteur des années 1000. N'hésitez pas, attendez plus. C'est pas le corps, si c'est le corps, mais c'est. T'inquiète. On est d'accord que j'avais grave bien joué, que l'hélico avait pas été cool. On est d'accord que le problème c'est hélico sur 20. J'ai clairement été incre. Oh putain de merde, ça m'a fait tellement peur. Il doit y avoir une ruelle par là. On pourra monter sur les toits après. Oh putain, je vous jure que j'ai le cœur qui a des... Qu'est-ce que tu fabriques, Fix?
Laisse pas cet oiseau s'approcher. C'est là, non? Sortir, rue 1B. La rue, elle est juste là, tu vois? Vas-y. Ok. Toujours essayer de faire des salons pour éviter les balles, c'est une dinguerie. Oui, oui, ça va, frère. C'est bon, on est à l'abri. Putain, la dingue, ces hélicos, quand même. Hein. C'est overbroken, hein. Pourquoi nous, on n'a pas le droit aux hélicos? C'est plus facile de faire du parcours directement dans le sel en hélico, hein, je pense. Pourtant, on est pauvre dans les jeux vidéo. On pourrait pas être giga riche. Danger. Anecdote, j'ai déjà failli me faire écraser par un triangle. Ah, par un train. Et oui, je me disais le triangle, c'est pas... Le poids est pas... Comment ça se fait, Edward, tu foutais quoi? L'écho, c'est le cheat code. Réel. Ah ok, mon perso s'est arrêté tout seul pour rien. Ok. Je me suis dit, bon, on va en profiter, petite cinématique. J'ai beau remonter, pas du tout, j'ai pas le temps. Hop là, parkour! Parkour! Parkour encore! Bah tiens, ça faisait longtemps, ça faisait. Eh, 30 bonnes secondes, mon ref, hein! À vue de nez. Pas giga agréable, celle-ci. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça tu t'es accroché à ça? C'est plus bas que toi, comment ça tu t'y es accroché, mon ref? Pourquoi tu vires tes armes entre deux missions? Parce que tu les gardes pas, les armes, tu t'en sers genre... Tu tires les balles qu'il y a dedans dans le fight et c'est tout. Tu les gardes pas. Déjà le jeu n'est pas du tout accès FPS. Plus bah... C'est assez logique de dire que t'es quelqu'un, t'es pas une personne de l'armée ou quoi. Tu tapasses un mec, tu lui voles son arme, tu utilises les 8 balles qui lui restent dans le chargeur, tu vois. Et derrière, tu jettes l'arme, t'as pas d'autre chargeur. Là, t'as pas de munitions, t'as rien. Donc en vrai, effectivement, tu vas pas garder l'arme qui t'encombre. Ça en fait des roulades, là. Parcours encore! Merde, j'étais trop loin. Ouais, le problème c'est que là je suis mort, du coup vous connaissez la règle, hein. Si je loupe le premier derrière, on est mort. Ouais, voilà. Depuis que j'ai changé mon café par du thé, je n'ai plus de brûlure d'estomac. Ah bah les remontées d'acide par le café, c'est une dinguerie, hein. Ça. Je suis content alors, t'as bien fait. Et tu te régales, t'as pris quoi comme thé? J'arrive pas, hein. J'ai fait clic droit, mais j'arrive pas. Je vais juste me barrer, frère. Hein. Ouais, allez. Dans ma ville, il y a deux ponts, un pour les voitures et les humains et l'autre pour les trains. Mais tu te doutes bien que les deux étaient super loin de mon pote et moi. On a pris l'autre pont, on marchait sur les voies, sauf que on n'a pas entendu le train venir qui klaxonne genre à 10 secondes, la réaction, on était mort. Voilà. Mais donc en gros, vous l'avez cherché. En gros, littéralement, t'as été là où c'était strictement interdit d'aller. C'est ça l'info. T'as marché sur des rails. Je vous déteste, hein. Ah mais oui, clairement, mais non, mais... les jeunes comme ça qui se croient tout permis, bon, quel toupet. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Petite tisane en hiver, c'est dingue, ça. Je suis un gros fémar qui avait une machine à café pour les capsules. Du coup, j'ai pris le seul téléphone à la menthe qui se faisait avec les capsules. Ok, je comprends. Si on met le ralenti pour essayer de fuir... Non, le ralenti me... Je suis en espèce de cam lock sur l'ennemi. C'est bizarre un peu ce qui se passe là, ça m'a fatigué. Autre technique les boys. Ah, la technique de... C'est pas par là, mais attends. Ok, la technique de j'ai glissé mais je passe par un passage hyper scred. Technique qui pourrait fonctionner. Bah non, parce que le temps que je me redresse, je suis déjà mort en fait. Mon corps mort atterrit sur la tête du soldat, c'est quelque chose.
Y a pas un petit non, j'avais pas de petite valise. Bon bah. Parcours, attends. Je pense que la technique est pas bonne. Le seul pépitin allemand qui permet de faire des capsules, avoir un thé, comme si je faisais mon café. D'accord. En vrai, je comprends. Je le fais pas parce que je trouve que ça coûte hyper cher pour rien. Mais je trouve très bon choix. On recharge les PV. Ah quoi ? Tout va bien, je suis bloqué, c'est en bas là ? Non, c'était pas en bas. J'étais bloqué. Pire que de couper un câble le long des voies avec un coup herbe. Pourquoi t'as fait ça toi aussi ? Mais après, c'est peut-être suicidaire, les gars, allez vous faire cuire un œuf hein, aussi. Hein. Je sais pas, votre daronne, hein. Si vous voulez die, allez crever, hein. Non, pas moi. Ouf. Tu me rassures. Viens là. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi pour ne pas avoir essayé de mourir. Bon, attendez, il y a une putain de dingue là. Non, non, recache-toi, t'es plus caché. Recache-toi, là. Mais où je dois aller, frère? Où je dois aller? Comment je vais m'en sortir? Vous voyez bien que la situation est dramatique tout de même. Je peux pas voler leur arme au SWAT. Ok, quelqu'un a une idée? Le but c'est d'aller en face, d'accord? Oh putain, j'ai des soft blocs là. Ah mais y'a des méchants là aussi. Ah mais attends. Qui me tire dessus là? Ça manque de précision apparemment. Quoi? Qui? Où ça? Vite. Mon jardinier qui a coupé un 20 000 volts. Comment tu fais ça? Faut être con un peu, non? Ouais, faut être con. Je crois que je les ai tués. Et après, il n'y a plus qu'à passer ici en fait, il y avait une gouttière. On était obligés de les tuer en réalité, sinon on serait pas passé. Mais ok. J'ai capté. C'était pas évident, évident. Tyrolienne! Nimeris! Ah, je t'ai laissé 3 secondes. Ok. On va sûrement devoir sauter par là. Oui, on doit sauter par là. Let's go. Elle aurait eu, c'est vrai. Peut-être elle a peut-être le son vite fait. Oh, je croyais que j'allais mourir. Eh. On remonte là. Ok. Nouvelle couleur, le jaune. Attends, c'est pas... Si, c'est précisément d'où on vient. Faut essayer de monter peut-être un peu alors. Ouais, je pense qu'il faut essayer de monter. T'as loupé le prout. Mais non, pas le prout, la tyrolienne. C'est toi le prout ou quoi? Oh, le QI qui descend, plus il stream avec ses viewers, plus il descend. Le streamer n'avait pas pause. Soit disponible, ça me dégoûte. Voilà. Non. Oui. Non. Ok, oui. J'ai appuyé sur A, qui est le bouton pour faire demi-tour, plutôt que le bouton pour amortir les coups. Je suis trop teubé. Je passe par là. Ok. Le ciel est assez beau, hein. Les graphismes sont pas... Enfin, les textures sont pas dingues. Les graphismes sont très ok. Pour un jeu qui a plus de 10 piges, qui a quasiment 15 piges, c'est quand même pas mal du tout.
En même temps, c'est un jeu qui est très linéaire, beaucoup d'objets sont réutilisés, c'est normal que les graphismes soient bons, mais... Il y a la couille qui me gêne pour passer. Voilà! Trop chiant les couilles qui nous gênent pour passer, genre... C'est trop mon quotidien dans ma vie tous les jours et tout, tout le temps des testicules là qui gênent. Je vais peut-être pas fuir par là, moi. T'es en train de me dire que j'ai pas le choix, c'est ça? Je vois un chemin, mais... Ah, je le sentais moyennement. Même si c'est pas une question d'odeur. Pas vrai, la team. Je crois que... Ok, je pensais pas que ça passerait de faire ça. Du coup, je suis content. On a bien fait d'essayer. On va prendre un peu d'élan. Non, on va pas prendre d'élan. Oui. Et on va peut-être aller se faire foutre. Passer par les tuyaux là directement. Ok, nickel. J'avais pas vu les tuyaux derrière. Je croyais qu'il fallait escalader ça. Très heureux. Très très heureux. Que Pokémon Arceus, réel, gravité 1, bubble 0, bâtard, je diverge beaucoup, mais la plupart du temps. Je dis bite quand même. Plus que couille. Bah non, regarde, ça c'est une couille, c'est pas une bite, tu vois. Oula, attends. D'ailleurs, c'était pas tout à fait ça, attends. On va en retrouver une. Et derrière, on verra si tu dis beaucoup verge ou bite ou couille. J'en ai plus rien à foutre, frère, je shoot l'hélico, c'est bon pour toi ou pas? Évidemment, c'est une arme de bébé. Vite, donne-moi celui-ci. Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi! Personne ne t'aime ici! Pas con! Personne ne me séparera. Nimeris! Personne ne me séparera de ma passion. Wouh! Il vient de dire sans se faire tirer dessus, là. Il vient de dire sans se faire tirer dessus, il se fout de ma gueule! Les 5 mecs au fusil à pompe! Il est parti en hyper vitesse à la fin. À la fin, il a slidé ta Sonic, non? Qu'est-ce qu'il me fait? Bah, mon ref! On t'a tous vu, hein? Oui, ok. Tu me rassures. Ah, ça, ça veut dire qu'il y a une petite valise pas loin. C'était Stéphanie qui me demandait ça. Voilà, tu vois le petit logo là? Du coup, tu peux chercher une valise. J'en ai loupé plein, mais... Il y a nécessairement une petite valise un peu cachée. Je sais pas trop où. T'as vu Stéphanie? Et en haut à gauche, tu vois le logo de valise, ce qui veut dire que c'est des... Bon, si t'as pas dit valise, de te faire foutre à un moment donné, mon ref. Wouh! Ça marche pas. On peut grimper par là, je pense. On peut grimper par là. C'est si haut que ça? Ah non. Attendez. Juste un peu d'élan. Il devrait, bon, désag, si. Totalement d'accord. On peut pas ouvrir les poubelles ou trucs comme ça, Exen. Et quel modo, hein, Tirac. Mon deuxième compte prend toutes les infos en compte. Deuxième compte prend toutes les infos en compte. Tu crois qu'elle les compte? Non. Tu penses que Nixie est le deuxième compte de Nimeris? Ou rien à voir. J'ai l'impression que c'est ce que t'es en train de dire et ça me fait marrer parce que c'est cohérent et les couleurs, frère. Waouh. Allez, ambiance jaune, vert, moche. Let's go! Il se passe des trucs bizarres.
Mops, je suis rien. Mais non, j'ai trop du mal à suivre, c'est difficile. Elle fait une vanne tout à l'heure, comme quoi. J'en étais. Dès que son compte secondaire. Ah oui, c'est vrai. Waouh, mais vous avez trop de la suite dans les idées, parce que ça s'est passé il y a au moins une heure, Raiders. Voire deux heures même. C'était au début du stream. J'ai déjà oublié ce qui s'est passé il y a des années, moi. Enfin, si c'était il y a plus de 3 minutes, c'est fini, hein. Vous vous rendez pas compte, mais c'est ce que je joue à un jeu qui est complexe. Ce jeu-là, il me demande de réfléchir de fou dingues. Bon. Bah, c'est pas par là. Pourquoi MDR ? Si, ça demande de réfléchir de fou dingues. Je ne suis que Nymeris, je ne peux pas oublier. Après, calme-toi, cela t'es quand même en train de sous-entendre que Nymeris, bon. Ah. Nymeris, c'est quand même pas la plus intelligente de la bande, quoi. Parmi les modérateurs, il y a des modérateurs, genre mieux, enfin tu vois, c'est enfin mieux, c'est pas une compète, mais cérébralement, il y a des modérateurs, ils ont plus de... C'est pas... Ah là là. Tu vois, par exemple, s'arrête. Non, non, bah non, pire. Ah, mais t'es pas mes mots aussi, frère. Croyen, non. Croyen, s'il parle pas de beat pendant une minute, ça t'explose IRL. Ah, bah alors là, c'est pour. Ça, c'est pour l'Ocly, ça, ce bâtiment. Tu as trouvé tes charmants collègues à la prière, c'est ça? Bien, ça doit être juste devant toi. J'ai qui d'autre comme modo? Clean. Ah, mais attendez, c'est le sniper, ça! Ça, c'est le sniper qui a tué. Donc, elle bosse avec la police. Ah. Calme, c'est pas gentil. Je suis presque sûr de ne pas avoir dit ça par contre. Ils ont plus de neurones, ouais. Pour rien, il est pas trop con. Pour rien, il est très smart, mais juste, il parle que de cul. Imagine, tu m'as pas moi en modo. Jure, Joscat, quelle est ta particularité en tant que modérateur? T'as chié, ancien modo? J'ai mis modo à partir du moment où mon... Genre, je me sens un peu comme un animal en cage. Tachi, je l'ai mis modo à partir du moment où ma modération est de commencer à être un putain de zoo. Je me suis dit, frère, je vais mettre Tachi modérateur, comme ça il sera enfin à sa place. C'est bon ou pas? Je fais la part des choses. Bon point fort. Ok, dans le bâtiment de l'Ocly, on va commencer à courir. Go! Parkour! Parkour, parkour! On va descendre là, hein. T'inquiète, t'inquiète. Bah, c'est-à-dire que là, ils sont quand même en armure lourde, plus bouclier anti-émeute, plus fusil d'assaut, et ils sont pas trois. Si, je suis inquiet. Si, 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 si. L'inquiétude est présente, hein, c'est... Même si j'ai une barre de vie à la Call of où je souffle 2 secondes et mes PV reviennent, je suis inquiet. Je suis autant plus inquiet que je suis pas sûr de savoir par où je dois passer. Et apparemment là, voilà, ouais, là je m'éloigne de par où je dois aller. Hey, salut les potes! Attendez, vous allez rire! Non, non, ils ont pas du tout, ils ont pas ri. Spoiler alert, ils ont pas ri du tout, les gars. Nickel, bah me voilà, fraîchement rassuré. Attendez 2 secondes. Et si on passait par là? Ça nous amène au même endroit? Oui. Mais... Putain. Ah! Je t'en supplie, fais un effort, Face! C'est pour t'en sortir! Bah, elle meurt. Bah ouais, mais elle fait pas def. Elle fait pas def! Si elle faisait un petit wall run, regarde. Wall run into 180, into jump, accro au pot, climbing. On avait une pause qui était incre, mais là elle arrive, elle est désag. Bon bah. C'est run down quoi. Ou alors on fait ça, into. Bah non. Non, faut que je me mette là-dessus. Que je cours là, je saute, je m'accroche au. On va essayer de l'autre côté. L'autre côté, on peut mieux apparemment parce qu'il y a ça. Ouais. Voilà. C'est de l'autre côté, les gars. J'ai trouvé la solution.
pouvoir utiliser le panneau publicitaire à l'étage. Attends. Un chat. Attends, j'ai pas vu. Peut-être. Il y a des zones de maintenance et d'autres structures au sommet du centre. Je vais commencer par là. Tu viens de parler par-dessus ta propre voix. Comment tu fais? Comment physiquement c'est possible de te t'auto-couper la parole, frère? Mais je suis discrète pourtant, comment vous me voyez? Et comment vous m'avez trouvé? Vous êtes vraiment très perspicace. Tu penses que Robert t'a piégé? Parcours encore! C'est pas par là. Et oui. Bah on va aller là-haut. Là-haut, c'est d'où on vient en plus. Plus haut, Faye. Non, on est tombé là. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Peut-être qu'on peut tout simplement. Peut-être que ici, on peut arriver. Ouais, on peut faire ça. C'est quand même très simple, hein, cette technique. Elle nous sauve beaucoup maintenant que je l'ai comprise. C'est courir ou être trotté uniquement? À mon avis, être trotté uniquement, mais en même temps, comment tu te tapes un sprint quand tu cours depuis une demi-heure? Frère, je me suis cru dans Zelda, je me suis dit cool. Non, au premier degré, je me suis dit ah cool, un ventilo, je vais pouvoir monter facilement avec ma paravoile. La fameuse paravoile de Face dans Mirror's Edge, tu connais. C'est la trottoir qui court, exactement. On va passer sur ça. Mais on peut passer à travers ça. Ah, c'est du plastique. C'est bien fait, en vrai, le truc plastique est bien fait. Ah. Mais elle me ramener là. Bleu et orange, j'aime beaucoup. Ça va trop avec ma cam et tout. Trop joli. Hop là. Ouh. Si orange lever de soleil, là on a... Hop là, ils m'ont pas vu. Hop là, hop là, hop là. Je crois qu'il faut aller là-haut. On peut passer par là, je suis pas sûr. C'était pas le but, merde. Arrête, arrête, j'ai voulu recharger. Oui, c'est ma faute, c'est ma faute, ça va. Par ici. Vous êtes des grands malades, hein. Ça va pas bien. Vous savez que c'est dangereux les armes à feu là ou... Non, c'est quand même c'est du verre, hein. Ça protège pas de fou. On est aux États-Unis, je pense, hein. Toujours zéro bandit à mon actif. C'est une question de... T'inquiète. Dabrian n'en a que 45. Alors qu'il est là depuis quand même plusieurs mois, donc... T'inquiète, Just Cat, tu vas... Un jour, ça va être ton moment de gloire. Be ready and be prepared. Plusieurs années. Bref. Ouais, tu auras toujours un peu sur les mots, mais vrai. C'est lui l'assassin? C'est pas lui, c'est elle. Je pense que c'est Céleste. Chargement de l'épisode. Ça va sûrement être le dernier épisode. Yo, Sokchou. Voilà, dis-lui, Sok.
Hey, Face, ça me fait plaisir de te voir. Avec un petit peu de persuasion, Robert n'a été plutôt bavard. Il m'a dit qu'il devait voir le tueur de Pope au New Eden. Et tu me remercies, hein? Mais une fois là-bas, devine un peu qui m'attendait. Aucune idée, Face. Mais ils ont d'excellents bretzels. Un paquet de flics. Ça te dit vraiment rien du tout? Non, Face! J'ai rien fait! Ouais. J'ai des doutes. Réfléchis. Si je voulais te tuer, tu crois pas que je pourrais me débrouiller? C'est vrai. Un minable comme toi n'aurait pas fait tout. Ah, ne me vexe pas. L'agression. Rob Byrne est mort. C'est dire que t'es un meilleur vin de moi, Flo. T'es plus vieux que moi, Turak. Tu devrais surveiller un peu tes fréquentations. J'ai appris à le faire il y a bien longtemps. Voilà. Toujours des rancunes. Bah maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais me sauver, Face. Les affaires. Enfin, tu sais ce que c'est. Essaie quand même de pas te faire tuer. Merci. On remercie quelqu'un qui nous dit essaye de pas te faire tuer ou... Tu peux faire des recherches sur Pyrone. C'est quoi l'ambiance? Bien sûr. D'où ça vient? J'ai vu ce nom quelque part. Au bureau de Rob Byrne et... ailleurs, je crois. Un logo spécial. Comment ça, je suis plus vieux que toi, tu vois? Une affaire privée. Alarme, défense, voiture blindée, protection rapprochée. Il protège le monde après la pub. Il est de 93 aussi, j'ai juste gratté quelques mois. Des bureaux en ville et des flambants neufs, tout près des docks. Alors tiens-toi prêt. Je vais aller jeter un coup d'œil. J'étais persuadé que c'était de 92, tu vois. Je sais pas pourquoi. Ok, mon bouchon. Ça c'est le sock pips que tout le monde connaît. Va vers le bâtiment avec le logo ridicule de chien. Entre par le chargement. Logo ridicule de chien. Pirandello Kruger. C'est pas... Il parle un peu mal du... Je vais pas prendre la tiro d'ici là, je peux pas casser la vide et prendre la tiro, putain. Le orange est... Orange. Wow, mais c'est quoi cette ambiance bizarre? Yo Nimeris! C'est ce que je devais faire. Moi à la base j'ai sauté pour changer de tyrolienne mais... Bah il semblerait que ce soit bon. Attends, il va falloir remonter. Bah par là on a quand même quelque chose de très évident ici. Les vieux que ça me calcine, les boomers sur Twitch. Hey, t'imagines, Kite, un jour tu seras vieux. Bon, pour l'instant, t'es grave jeune, c'est, mais t'as 22, 23, c'est ça, 23. 23 cette année, je crois. Mais un jour, peut-être, tu seras vieux, tu sais, qui sait. Imagine. C'était nul, qu'est-ce que je viens de faire? Genre, on sent que le mec a essayé, mais... Il nous a mis très mal à l'aise, ton père et moi, là. Voilà. 23 dans le miroir, non? Non, parce que justement, tu sais, ici, on est sur le fil du miroir, d'où le nom du jeu, Mirror's Edge, ok? Parce que certains ne regardent que dans le miroir, tandis que d'autres prennent le temps de regarder autour d'eux. T'as rien compris à la philosophie du jeu, Sok. Tu nous mets un peu tous mal à l'aise, là. Si t'as pas compris ça, c'est quand même la base du gaming et du gameplay de Mirror's Edge. Regarder autour de soi plutôt que de l'autre côté du miroir. J'ai pas raison, la team? Je regarde pas deux, je regarde Turak, je comprends. Après j'étais très ironique. On a pas croisé de couilles, je voulais montrer les couilles à je sais plus qui, en disant si regarde, c'était Exen. Non regarde, c'est plus des couilles que des bites. Discussion assez stérile. Contrairement aux couilles. Alors... Bon. Bah c'était là. Bah c'est pas cool ça. Bah les gars, on avait dit tu faisais ça.
Non, on avait dit dessus. Hop, hop, hop. Non, t'as pas envie. Non, bah je vais le faire... pas comme ça non plus. Comme ça peut-être. Ok, là ça marche. J'imagine que c'est pas là. Non, 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 non. Putain, ta mère, je suis trop con, frère. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Allez, hop, on repart. On monte, on monte, on monte. Ok. Key wheeling, hop là. Voilà, et cette fois, frère, pitié, on glisse pas. Voilà. Voilà, très bien ce que tu nous proposes. Tu l'as vu ? La menace est sérieuse, gamin. Restez vigilants. Suspect en vue. Oh, ça va très très vite quand même là. Ils m'ont vite repéré. Non, je dis qu'ils m'ont vite repéré. Bon. Apparemment, le jeu ne souhaite pas notre bonheur. Chacun sa vision de la discrétion. Discrétion, I guess. Ta gueule. Ta gueule, ta gueule. Donne ta putain d'arme. Non, il veut pas répondre parce qu'il est mort. Merde. Il veut pas répondre parce qu'il est mort. Qui ? Ok, ça c'est fait. Merci pour les barils, hein. Barils qui, je vous rappelle, n'existent pas dans la vraie vie réelle, hein. C'est quand même une dinguerie, ce système de barils explosifs. C'est bon, on a fait le tour ou que l'Ept ? Tiens, tu sais quoi ? Récupère, récupère-le. Et les armes à feu, c'est caca. Voilà. Bien, on le fait passer à travers la texture pour que plus personne jamais s'en serve. Nimiri, c'est pour toi. Wouh ! Ah, go ! On aurait dû faire un compteur à part, quoi. Gravé dans la roche. Frah ! En vrai, c'était pas un mauvais rappeur, hein, Sniper. Moi, je le trouvais très très ok, hein. Très 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 ok. Pas des ags, loin de là. C'est plus mort dans Mother Edge que dans Elden Ring là, non? C'est pas le sujet, c'est comme si tu disais bon là j'ai pas d'exemple particulier mais... C'est... Arrête s'il te plaît, c'est pas cool. On peut grimper à ça, non? J'avais vu le titre. Mais BV, ça c'est parfait. De quel titre? Le jeu Distalgie? Ou les emotes rigolotes? Ton super niveau sur Elden Ring. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Peut-être que c'est pas par là. Si, on a monté tout ça. Si, si, c'est par là. Pas re-sauter. Bah oui, voilà, qu'est-ce que je me fais chier pour rien. Bah ça marche pas très très bien ton truc, hein, petit bonhomme. Si tu vois bien, c'est pas stable. À la corde ou... Non.
Oh. C'est agressif. Je peux pas par là. Alors. Pourquoi il y a un paix en émoji dans le titre, c'est fou ma gueule. C'est ça dont tu parlais jusqu'à 4. Mais c'est quelqu'un qui court vite, c'est pas un prout. À couvert, mets-toi à couvert, casse-toi. Ouais, c'est un peu... On va prendre celle-ci. L'endroit est bien gardé. C'est l'idée qu'on se fait de la sécurité Kruger. Ouais, grave. Y'a un laser là quand même. Hein. Là y'a un laser, hein. On l'a tous vu. Y'a un petit laser rouge qui passe, bon. On est vite blindé, je suis pas surpris. Hein. C'est un peu l'idée qu'on se fait de la sécurité Kruger. Hein. C'est bon, j'ai jeté dedans. Ok, j'ai jeté dedans, je peux y aller aussi. Hop là. Il en reste ou c'était que les petits là? Attention hein. Je suis une racaille hein. Je suis une racaille de la région parisienne. Moi j'ai tout pété, j'ai pas peur. Bon je pose mon arme hein. Hop sur la table. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut? Pas ça? Il fallait accéder ici, mais j'y étais. Je suis trop con, frère. J'y étais. J'avais compris que c'était quelqu'un qui courait vite. Juste le jeu de mots de jeu de nostalgie. Je le trouvais pas mal. Let's go! C'est devenu une émission à part entière, Just 4. On va se faire ça hyper souvent. Toutes les 2-3 semaines. Tu vas voir, ça va être dingue. Ça va être très très cool. Ça va être un bon moment. De l'autre côté, peut-être alors? Passer dans par le bureau. Et y a pas d'autre côté. Comment on y va? Il va y avoir plein de jeux, il va y avoir des petites vidéos autour. Et la question est-ce que jeudi prochain, on continue... ce sera pas toutes les semaines, tu vois. Est-ce que jeudi prochain, plutôt que de faire une journée de stream normale, on se fait un... On se fait un jeu d'histalgie, la suite de Mirror's Edge, j'allais quand même dire Elden Ring. Hein. Ou est-ce qu'on fait qu'une fois le jeu, genre? C'est pas modo pour rien. J'ai toujours pas le son, mais j'ose espérer que le streamer a dit j'adore le put, ça fait partie de la vie, je ne pouvais pas me mettre un P dans mon titre. Tu tires bien, c'est grâce à Valo, c'est le training pay. Je te jure que j'y pense, Brian. Comme Falcon Espresso, Onim, t'es pas modo pour rien, je la déteste, hein. Wouah. Je suis pas intrus, frère. Là, c'est une. Pour une fois, réalité. Pour une fois que l'héroïne est masculine. À l'époque, c'était fou. Hein. Aujourd'hui, avec les nouveaux Tomb Raider, les Hero Zero Dawn, c'est pas Hero, c'est Zero Dawn, je sais pas quoi. Il y a plein de jeux où on a des meufs qui commencent à être des héroïnes et qui sont assez cool. Mais, overall, à l'époque, avoir une héroïne cool... qui est pas le putain de cliché d'une fille Barbie ambulante, c'est une dinguerie. Je pense que tu devrais essayer de finir les jeux en stream. Pourquoi est-ce qu'il y a un Kipo? Pourquoi Kipo? Tu penses que ce serait chiant? Mais c'est un saut qui est... C'est un saut qui est prédéfini. Comment je peux le foirer? Et comment je peux le foirer? Je ne le contrôle pas. Il y a une dingue là.
Je sais pourquoi. Faut éteindre la buée, je pense. Il devrait pas y avoir la fumée. Voilà, ou attendre qu'il n'y ait plus de fumée. Il n'y a plus de fumée, vite maintenant! Trop tard. Tu n'y finis pas assez en stream. En un stream. Ah, en un stream, pardon, j'avais mal lu. En un stream, ce serait long, non? Ah non, je tombe. Tu peux finir Mirror's Edge en stream, ça devrait pas te prendre plus d'un ou deux streams ou pas le nom. Je pense, mais est-ce que ça intéresse les gens, tu vois? Wow, j'ai réussi. Bah, je sais pas pourquoi je réussissais pas. Le jeu est parfois hyper relou. Il l'était moins dans Catalyst, mais le jeu est hyper relou sur le fait que... Bah... Si t'es pas au pixel près pour t'accrocher à certains bails, ça marche pas. Même sur des sauts qui sont millimétrés par défaut et où tu veux pas prendre plus d'élan ou autre. Bah, je suis content d'être là, ça sert à quoi? Non, je suis très content d'être là, vraiment, ça sert à quoi? À part feur. Bah oui, mais je veux bien aller ici, mais là tu vois bien que ça marche pas là. Tu vois bien que là vraisemblablement, je peux pas y accéder, que cette porte elle est verrouillée là. Tu vois bien qu'elle est verrouillée, que ça marche pas. Il a dit un truc par rapport au tapis roulant, mais j'ai pas suivi. Il a dit qu'il fallait les activer, et pour les activer, je dois arriver dans ce bureau. Pour arriver dans ce bureau, je dois arriver par la porte qui est derrière, et pour arriver par la porte derrière, je crois que je dois aller me faire foutre. Ichi-ni-san-yo. Arigato. Qu'est-ce qu'elle a? Si t'en as envie principalement. Là c'est pas la vraie question parce que j'en ai... Je pourrais en avoir envie. Mais ce que j'aime dans le stream, tu vois, c'est... Stream. Et c'est vrai que si tu streams devant 3 viewers en lurk et que c'est silence général pendant 2 heures, bah il y a moins de kiff. Et je préfère stream avec des interactions avec les viewers plutôt que jouer au jeu pour principe d'avoir dit que je le finirais, parce que moi j'aime bien, mais perdre tout l'intérêt du stream par contre, parce que tout le monde se tait, parce que personne suit vraiment, parce que personne n'est intéressé, tu vois. Faut toujours trouver le juste milieu. On est une grade de fou. Genre là, c'est... Sachant en plus que là, le concept va justement être de refaire des vidéos YouTube et tout par rapport à Mirror's Edge, donc j'ai pas forcément besoin de le suivre, de le finir pardon, sachant que de toute façon d'autres contenus vont quand même arriver là, d'autres contenus vont quand même arriver. Et on peut ressortir par ici, je l'ai. Activation non autorisée dans la fabrique. Unité 2 et 8, sécurité. Comment ça non autorisé? C'était grave autorisé hein, ce que je viens de faire. Hein. Je comprends, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais, c'est pas toujours facile en vrai. Hein. Attends, je viens de là. What? Attendez. D'où viens-je? Dans quelle étagère? Ça doit être quelque part en dessous. C'était par là. En dessous? Comment on va en dessous? J'ai fini mes rues. Ah, t'es revenu pile au bon moment, Anime. Je me suis pas suicidé. Et du coup, il ouais, faut trouver l'entre-deux. Voilà. Donc un Mirror's Edge, c'est cool, mais tu vois, déjà 4 heures de Mirror's Edge, j'ai pas les stats et j'avoue que je suis bien content de pas les avoir parce que c'est très anxiogène, mais je pense que tout le monde n'est pas forcément resté parce que bah c'était marrant, mais... Bon, 4 heures, c'est long, tu vois. Alors, re 4 heures plus tard, après, je me dis que si c'est jeudi, tu sais, c'est pas demain, et que c'est jeudi prochain, pourquoi pas. J'ai trop envie de faire une salade de pâtes avec les beaux jours. Et bah... Dommage que Billy the Bot n'ait pas eu envie de te dire que personne n'avait demandé. Mais c'est bien. Fais-toi une salade de pâtes. En vrai, salade de pâtes, giga bon. Hein.
J'ai oublié de re-sauter. Ça, de base, c'est giga bon. Moi, j'aime bien, c'est chill, ça change. Ouais, bien sûr. Bien sûr, en vrai, ça a beaucoup de... beaucoup de qualité. Mais... je trouve que c'est plus ponctuel, tu vois, à voir. Je ferai une demande, je pense. Je ferai un pôle pour vous demander si on le continue ou pas. Bah, c'est... j'ai failli mourir, hein. Amine, ce que tu fais, Nimeri, c'est que tu fais une grosse salade de pâtes, ok? Ok, Maros. Et après, tu m'en apportes chez moi, s'il te plaît. Merci. C'est sympa. Parkour hardcore! Non. Non. Non, il s'est pas accroché. Le saut est pas bon. Le saut est pas bon. Hein. Ça doit être quelque part en dessous. Hop là. C'est pas quoi faire en stream? Hop là. Pas souvent. Tu débutes, plus c'est difficile. Ouais, c'est un peu un leurre de dire plus tu débutes, plus t'es... Je comprends ce que tu veux dire, mais en vrai, non. Plus tu débutes, plus c'est difficile, c'est faux. C'est en réalité tout le temps, tout le temps, tout le temps le cas. Tu peux demander à Crocodile LOL quand il est passé de League of Legends à des jeux génériques alors que... il est toujours resté à au moins 1000 viewers, je te jure que... non, 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 c'est très compliqué. Mais Imo, quand t'es un petit streamer, vraiment, faut juste faire... faire giga kiffer sur des petits jeux parce que... c'est pas en te noyant dans des gros jeux que tu vas être vu, tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir un gros tube pour tes repas du midi comme t'as pas le time. En vrai, ça me ferait gagner un temps fou, hein. Pas mal là. Parfait, la roulette qui nous fait atterrir dans le bureau. Alors peut-être. Faut qu'on lise. T'aimes pas les olives? Non, c'est de la merde. Ah, les noires ça va, les vertes sont vraiment horribles. Tu vois un gros pour les repas. Non, joyeur d'olive. Non, 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 Brian, Locli, elle adore les olives, je crois. C'est dégueulasse, les olives. Ah, tu cherches vraiment la merde. Aïe, Locli. Oh, ok, tu veux vraiment mourir. Hey, mec! Ouais, je sais. J'en ai un peu plus rien à foutre, en fait, maintenant. Ce trou du cul a été sur mon cas depuis que j'ai commencé ici. Je pense que ça pourrait avoir quelque chose avec ma tante Libby. D'accord, tu peux baisser la cam, s'il te plaît? D'accord, donc tu redresses la cam toute seule. Avec ma tante Libby qui tient le Free Speech Bible Rally, le rallye de libre pensée l'année dernière. Et il pense maintenant que je suis un putain de libéral comme eux. J'ai pas de problème à me faire à vérifier à ce qu'on passe derrière moi sur le taf. J'ai rien à cacher. Il me fait juste pitié, ce con. Il s'assoit derrière son écran avec des sites porno ouverts. Ah non, il s'assoit derrière son écran et il check quel site porno est-ce que je peux visiter. Mais peu importe, je démissionne de toute façon. J'ai réussi à me choper un petit boulot au gouvernement, un contrat de boulot au gouvernement. Pour Callaghan. À Riding Park. Donc je vais juste aller au RH rapidement pour leur donner The Ogudo News. Je sais pas trop ce que c'est. I just got a note. J'ai juste eu un mot qui me disait justement qu'il voulait me parler à propos de quelque chose. Peut-être une promotion, lol. Ah, et oui, mille fois oui. Je pensais que j'étais le seul à l'avoir noté. Mais ouais, clairement, l'endroit a commencé à être super bizarre. Je suis même pas sûr que ce soit légit, que ce soit une opération légale anymore. Depuis maintenant que ce connard de catcher l'a acheté. Donc le catcher qui est mort, qu'on a interrogé. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est supposé produire ici?
La première chose qu'ils ont fait a été de se débarrasser des machines et des équipements qui pourraient vraiment pouvoir créer quelque chose. Et qui pouvaient déplacer les boîtes. Sans mentionner ce super vilain logo qu'ils ont foutu partout. Ouais, le chien. Ok, c'est réel. WT, I tried asking. Bon, ok, ça, je crois que c'était une. Je crois que c'est. WTF. Ouais, ça va être une emote, je sais pas. I tried asking when. J'essaie de lui demander. Ça a duré depuis des semaines. Il m'a juste dit de me mêler de ce qui me regarde. Donc, c'est ce que je vais faire en me cassant par ici. Je vais faire de mon mieux pour voir si jamais je peux choper une nouvelle place. La paye est bonne. Et les bénéfices sont vraiment dingues. Les gens là-bas sont assez contents d'y bosser. Bon, allez, il est temps de rentrer à la maison. Ça fait 2 heures que je joue à Tales of Runeworld. Donc je suis vraiment je suis vraiment chaud pour aller me battre. J'espère juste que personne d'autre va lire ça. Sinon, j'aurai de gros problèmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je m'en vais, je démissionne anyway. C'est pas comme s'ils pouvaient me ligoter à une chaise et me battre à mort pour avoir quitté mon boulot. A plus, Marc. C'était très long, mais un peu cool. Si ça se trouve, on va trouver un mec qui s'appelle Marc qui est attaché à une chaise. Je pense qu'il y a un easter egg ou un bail comme ça. Je vais te foutre Brian, j'en prends en goûter parfois. Une olive. C'est vraiment trop bon les olives par contre. Ouais, Vorturak et les goûts de Turak, il va expliquer. Hein. Les gens qui bouffent les olives sont aussi les mêmes qui kiffent les pims. Bah non, je trouve les pims incroyables et les olives dégueux. T'es bête ou quoi, Koubé? Je trouvais une porte ouverte dans laquelle on a ligoté Marc et qu'on lui a cassé la gueule. Pims poire les best. Vraiment, pims nature, hein, vous êtes des dégénérés. Voilà. J'ai goûté les Pim's Poire, c'est archi bon, mais framboise better. Non mais orange, stronger than all. Ça votre problème, vous cherchez toujours et plein de parfums et de machin, etc. Vous pensez pas que si l'original existe, c'est justement parce que c'est censé être le mix parfait à la base. Sinon ils auraient pas pris orange, d'accord. Orange vraiment dégueulasse à la mort. Bah oui mais regarde, toi aussi, et pourtant t'as poussé tel que tu es, alors fais un effort, sois ouvert. Titi, enfin... Orange, c'est deck, désolé. Mais c'est l'original, soyez cohérents, vous pouvez pas trouver l'original bon. Enfin, mauvais et le reste bon. Bingo. J'ai trouvé le centre nerveux, Merck. On dirait une... Bingo. Salle d'entraînement. Merck ? Pourquoi ils s'entraîneraient ? Ils voient encore quelque chose dans cette ville qu'ils n'ont pas encore taxé, interdit ou contrôlé ? Il reste quoi, hein ? Nous. Merck, t'as ton arme ? C'est bien qu'elle ne me quitte jamais. Pourquoi ? Merck, cet entraînement... Projet Icar, Pirandello Kruger, c'est pas la police qu'ils veulent. Ils sont entraînés pour nous chasser. Chasser les messagers. Si seulement tu voyais ce que je vois. Tout va comme tu veux chez toi? T'as vu 6 fiches? Avec moi, les oiseaux et le meilleur équipement de surveillance. Comment ça, si tu voyais ce que je vois? Il y a 6 fiches, frère. Oui. Le type que j'ai vu au centre, dans sa tenue blanche. Je l'ai vu sur un écran sur le pont d'un bateau vert. Bon, Chris, t'en as fait assez. T'es en train de mettre la main dans la gueule du loup. S'il te plaît, dégage vite d'ici. C'est pas la main, c'est quoi cette expression, mettre la main dans la gueule du loup? Respectez les paillettes d'Oberman, donne ça mal, les écoute pas, ils sont délus. Je crois qu'on a un souci, les flics t'ont repéré, dégage vite. C'est comme à mon boulot, les orangettes, c'est horrible. Qu'est-ce que les orangettes? C'est quoi tes orangettes? Tiens, il reparle une deuxième fois donc. Mon femme moi quand on aura appris à utiliser l'infinitif et deuxième personne du pluriel à bon escient, Brian. Salut, je suis sexique. Réel. Ok, je crois pas que je suis censé me battre en fait. Bah. C'est moi où il a couru dans mon dos pour aller me foutre un coup dans la nuque, le bâtard. Je crois qu'on a un souci, les flics t'ont repéré, dégage vite. Je suis comment pour monter là? Ok, par là. Ok, putain, j'ai bien fait de monter par ici. J'ai eu trop peur. Parcours ? Waouh, parcours.
Mais j'ai l'impression que les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont un peu chauds dans le parcours aussi, en fait, là. Ah oui, d'accord, oui, vous êtes des parcoureurs aussi. Bon, c'est parcours hardcore. Des petites oranges, orangettes pour signifier que c'est petit. Non, bah non, c'est des clémentines ou des mandarines. Orangette, c'est une écorce d'orange enrobée de chocolat noir. C'est plus particulier alors. Comme un stick orange chocolat noir. Je vois un peu le concept. C'est particulier. Je trouve pas ça mauvais, mais je comprends qu'on aime pas pour le coup. Deuxième YouTube, je suis devenu excellent en parcours. Comme quoi, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube. Bien joué, Loki. On adore le travail que tu comprends. C'est moi, j'ai même pété une des deux portes. Oui, j'ai défoncé une des deux portes par mes gros muscles. Mais... Allez, prends ton temps comme ça, c'était bien. C'est optimal, là, en termes de vitesse de déplacement, là. De pas te mettre à quatre pattes pour passer en dessous, aussi. Ratio. Mais attendez, vous faites des sauts vachement plus grands que les miens, eh! Allez, cours! Oui et non, quoi! C'est-à-dire que je me prends quand même 4 balles dans le buffet pour l'instant. Donc je cours, mais. Y'a des voies de train devant toi si t'as besoin d'une issue. Quoi? Comment ça, y'a des voies de train devant moi si j'ai besoin d'une issue? Oh putain de merde, waouh, je pensais pas m'en sortir sur celle-là. Je veux pas leur demander ton. T'es sur les voies, choisis ta monture. Mais non, je suis pas sur les voies, de quoi tu parles mon ref, de quoi tu parles? Y'a pas de train là. Y'a plus de train. Attends, c'est dégueulasse aussi, c'est vrai que depuis que t'es réel, comme monte plus chocolat égale caca, non Nîmes, pas toi. Ça dépend, monter chocolat, ça dépend totalement. Monte choco qui passe. Y'a des trucs monte choco qui passent, ça dépend quoi. Monte chocolat, c'est une dinguerie, y'a des moments, c'est trop écœurant. Glace, monte chocolat, catastrophique. Oui, parce que glace, menthe, catastrophique en fait. Menthe, c'est sorbet ou rien, c'est pas glace, déjà. Numéris, tu es cancelled, allez, dis-lui. Je suis l'élu, c'est tout, mais t'es l'élu de quoi? T'es l'élu des Doberman, Nimeris. C'est pas une élue de dinguerie, tu sais, c'est un élitisme moyen, y'a mieux comme élitisme. Parcours Trencor! Bien joué. Bon, je vais faire passer l'info au sujet d'Icar sur le réseau pour prévenir les autres. Ça marche. Allez les boys, on est safe maintenant. De rien la team.